Le continent africain ne dispose d'aucune représentation permanente au sein du Conseil de sécurité, contrairement aux autres parties du monde. Les États africains plaident en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité dans le but d'obtenir 2 sièges permanents. Et de plus en plus de voix s'élèvent sur le continent pour dire que le Conseil de sécurité se doit d'être plus représentatif au risque de perdre sa légitimité. Pour en parler, nous recevons M. Adam Awad, directeur de la rédaction des Afriques. Alors pourquoi l'Afrique ne dispose pas de sièges permanents au Conseil de sécurité onusien? En fait, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une représentation du monde de 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, forcément, on retrouve l'Afrique qui était colonisée à l'époque, qui n'a aucune voix au sein du Conseil de sécurité, qui n'a pas de veto. On retrouve l'Inde, qui est un grand pays, qui n'a pas de veto. On retrouve des pays émergents comme le Brésil qui n'en ont pas et on retrouve de grands pays d'Afrique aujourd'hui qui n'en ont pas. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est celle de la représentativité de l'instance onusienne, de sa crédibilité aussi, parce que le monde a changé. Occasion de la 67e Assemblée générale des Nations Unies, le président sud-africain Jacob Zuma a demandé 2 sièges permanents. Une réforme du Conseil de sécurité dans ce sens est-elle possible ? Une réforme est-elle possible? Oui, ça prendra certainement du temps. C'est comme le FMI et la Banque mondiale. Il faut beaucoup de temps pour vaincre les résistances parce que c'est des positions qu'on est en train de rediscuter. C'est les positions des vainqueurs de cette Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi la participation des pays émergents. C'est la place de l'Afrique dans la nouvelle économie mondiale. Cependant, il y a des préalables. À mon avis, 1 ou 2 sièges pour l'Afrique, c'est la même chose, parce que la finalité, c'est de peser sur le Conseil de sécurité, c'est d'avoir droit au veto. Mais à mon avis, pour que l'Afrique y parvienne, il faudrait d'abord que l'Afrique parle d'une seule voix. Et je ne suis pas du tout d'accord qu'un pays, fût-il l'Afrique du Sud, puisse avoir ou incarner cette voix. Je suis pour que cette voix soit reportée sur l'Union africaine. Quels pays sur le continent peuvent prétendre à siéger de façon permanente au sein du Conseil de sécurité onusien, hormis l'Afrique du Sud que vous avez cité? L'Afrique du Sud, je dirais en second lieu, il y a peut-être le Nigeria qui représente le bloc de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique du Nord, c'est très problématique. Il y a des pays, des puissances de taille égale, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. Donc, tout de suite, je vous dis qu'il y aura un problème parce que qui va se représenter, qui va s'effacer au profit de qui? Donc, la seule manière d'éviter les rivalités, c'est d'aller de manière soudée et une seule voix, mais rapportée à l'Union africaine, est beaucoup plus plausible qu'une voix rapportée à un pays puissant. Alors on se souvient de ce sommet Afrique-France à l'occasion duquel l'ancien président français Nicolas Sarkozy avait plaidé en faveur d'une meilleure représentation du continent africain au sein du Conseil de sécurité. Qui doit vraiment impulser cette dynamique? Vous parliez à l'instant de l'Union africaine. Effectivement, quand on voit le président français se poser en avocat de l'Afrique, on se dit arrêtons, parce qu'on est encore dans le vieux schéma où l'Afrique a besoin d'un avocat pour faire entendre sa voix. Or aujourd'hui, l'Union africaine, même si elle est très loin de concrétiser l'Union, elle est très loin d'être une union politique, elle est très loin d'être une union économique, elle est très loin d'incarner une gouvernance de politique économique et financière, reste le seul organe qui puisse fédérer toutes les velléités africaines et toutes les ambitions d'être mieux écoutées à l'ONU. Aujourd'hui, l'Union africaine, c'est quoi en fait? C'est un club de chefs d'État. Il n'y a pas de gouvernance politique forte. Il faudrait que la commission de l'Union africaine ait beaucoup plus de poids dans les décisions politiques majeures. Il faudrait qu'il y ait une instance économique forte qui puisse fédérer des politiques de convergence économique. C'est-à-dire qu'il faudrait créer un intérêt commun africain. Or, aujourd'hui, il n'y a pas cet intérêt commun. 54 souverainetés, 54 intérêts différents qui viennent se concurrencer à Pékin face à la seule Chine. Quand je vois le sommet Afrique-France avec 54 pays face à un seul interlocuteur, je me dis qu'il y a un problème, il y a un vrai problème. Et le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir un droit au veto, c'est d'abord d'avoir une voix à l'ONU. Parce que nous sommes, certes on n'a pas de voix au Conseil de sécurité, on n'a pas le veto en fait,
mais on est très représenté à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais que faisons-nous de nos voix? On les vend, on les monnaie. Et imaginons que l'Afrique obtienne un ou deux, ou même plusieurs sièges, on peut toujours rêver, permanents au sein du Conseil de sécurité. Sera-t-elle en mesure de peser sur la gouvernance mondiale? Pour peser sur la gouvernance mondiale, comme vous le dites si bien, il faudrait, à mon avis, quelques conditions. Ces pays, examinons le cas de ces pays qui ont le droit de veto. Donc ce sont des pays qui ont une influence militaire, qui ont une dissuasion militaire. Il faudrait aussi un poids économique fort. Et tant que ces conditions ne sont pas remplies, à mon avis, donner à l'Afrique une, deux, trois veto, ça ne servira absolument à rien, sauf peut-être à renchérir le marché des voix. Monsieur Adam Awad, vous êtes le directeur de la rédaction des Afriques. Merci pour cet éclairage, cet entretien. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alcaratv.net.